Je suis originaire du sud de la France, plus précisément en Provence. C'est un endroit où j'adore retourner car c'est mes racines et j'y trouve un certain réconfort en faisant des actions toutes simples comme marcher dans un champ d'oliviers, écouter le chant des cigales en été ou simplement sentir l'odeur du bois autour de ma petite maison. L'impermanence de la vie m'a finalement mené ici, à Montréal, où je vis depuis 5 ans et où la vie suit son cours. Montréal, c'est une ville qui m'a beaucoup changé. C'est une ville où je suis venu en quête de nouveaux défis personnels et professionnels, puis les étoiles se sont bien alignées, je pense, pour que je reste ici finalement. J'ai découvert un terrain de jeu en nature infini. Mais surtout une communauté très particulière en termes de valeurs, une communauté d'humains qui s'aident et qui rêvent ici, et qui croient aux rêves, ce qui permet de penser à des projets et les réaliser. Dans la ville, on a une vie qui est totalement effrénée, parfois un peu compétitive, qui progressivement va nous éloigner de nos racines. Ça va créer une sorte d'anxiété, de vide en soi, et en se demandant qu'est-ce que je fais là, pourquoi je me sens pas bien, alors que j'ai tout pour moi, je suis ici dans le confort. De nous déconnecter du monde naturel a un impact fort sur ce questionnement parfois un peu négatif qu'on peut avoir. Dans les forêts, les montagnes, ce milieu naturel, je cours. Je cours beaucoup. Je pratique ce que certains appellent des ultra-distances, des ultra-marathons. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça peut paraître fou, ce mot ultra. Dans les définitions communes, c'est courir plus long que la distance d'un marathon, qui fait 42 km. Donc, ça peut être 50 km, 100, 160, 200. Il n'y a pas vraiment de limite. On se lance, quand on part courir pour de nombreuses heures en nature, on se lance dans quelque chose qu'on ne contrôle pas. L'imprévisibilité, c'est de l'adaptation, de l'adaptation à avoir en permanence avec le milieu par ce qu'il va nous offrir. Et ça nous confronte aussi à nous-mêmes. Lorsque on part pour de très longues distances, on rentre dans une sorte de spiritualité qui nous confronte à nous-mêmes. J'ai vu cette course qui s'appelle l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc, qui m'a fait rêver. Je voyais cette course avec des milliers de personnes rassemblées pour célébrer quelque chose que je ne comprenais pas vraiment, célébrer sorte de rituel à Chamonix, dans une des vallées au milieu des Alpes. Et leur défi était de courir tout autour du Mont Blanc, ce sommet mythique qui est le toit de l'Europe, qui culmine à plus de 4000 mètres. De courir tout autour pendant 170 km, de nuit, de jour, c'était quelque chose qui m'a fait rêver. Et c'est entré en moi, dans mon esprit, que j'allais faire ça un jour. L'UTMB, c'est aussi un grand rendez-vous avec ma famille. Je vis au Canada, à Montréal, depuis maintenant 5 ans. Je suis loin de mes proches et c'est pas tous les jours facile. Et ces événements-là vont nous rassembler puisqu'ils savent que ça va être un gros défi pour moi, physique et mental, et que j'ai besoin de leur soutien. Alors je leur ai donné rendez-vous dans la vallée de Chamonix pour venir me soutenir. C'est un rendez-vous avec eux qui va certainement nous reconnecter et nous souder. Tu ramènes combien de pieds, toi? Un. Lequel? Celui que t'as sur toi et la lame? L'UTMB, c'est aussi un rendez-vous avec Lucas. Lucas, mon petit frère, je me souviens
Un soir, je rentrais du travail, ma mère m'appelle dans un état lamentable, elle pleurait à chaudes larmes, je n'étais même plus capable de comprendre ce qu'elle disait. Et entre ces mots, j'ai compris que Lucas venait de subir un très grave accident de la route et qu'il allait peut-être y rester à ce moment-là. La vie a finalement été plus offrante pour nous puisqu'il est resté avec nous, mais il a subi un handicap et il l'a amputé d'une de ses jambes. À l'âge de 15 ans, ça a été un choc pour nous, pour notre famille et bien évidemment pour lui. Je lui ai fait la promesse qu'il allait même courir avec moi, m'accompagner sur la fin de ma course à l'UTMB. Donc ça allait être un grand défi pour moi, mais pour lui aussi. Et en lui proposant ce projet, je me suis inconsciemment inspiré et je me suis fixé un nouveau défi à travers cette course. Là, on est pas mal, hein. Les choux, les bâtons. Ah, c'est bon. Ciao Mathieu, à jeudi. À jeudi, ciao. Il y a des cols au-dessus de 2000, 2003, 2005, je crois. Ah ouais, quand même. Okay. C'est beau, hein. Vraiment rare. Mais tu vas pas marcher si tu vas pas courir dans la neige, quand même. Tu vas pas courir dans la neige. Si, 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 les grosses montagnes. Et je m'étais dit un jour, moi aussi je ferai ça, et puis voilà. J'y suis. Le Mont Blanc, Chamonix, 4 jours. Là on va partir de là au plus loin, dans ce sens. C'est malade. C'est complètement malade. Exactement. Paraît que c'est pas bon d'aller courir juste avant la course, mais en état ici, dans ces montagnes, ouais, pas le choix. J'ai un petit peu d'expérience sur tout un tas d'événements qui peuvent arriver sur un ultra trail, sur une aventure comme ça. Mais mes principales appréhensions, c'est vraiment la réaction que va avoir mon corps face au dénivelé et puis à l'altitude. Ça m'ouvre l'appétit tout ça. Là, je vais vous expliquer le parcours, comment ça fonctionne, là, le tour du truc. Puis après, ben, si vous avez des questions, ça serait bien de toutes les poser maintenant, parce que moi, demain, après, c'est faut que je sois là, que je me repose. Et... si jamais, papa, ça arrive, elle se tord une cheville ou il y a un truc, tu feras le backup. Si c'est orienté sud-nord, la carte, c'est ça? Oui, c'est ça, sud-nord, ouais. Puis, tu te gourres. C'est une grosse organisation, quoi. Ça a l'air énorme. Et arrivé à Saint-Gervais, entre 20h et 23h30, toutes les 15 minutes, il y a un bus qui va là. De la foulie, là. D'accord. Il est 8h50 du matin, 9h, tu vois, 10h. Là. Ok. Je peux arriver, je peux être tombé, je peux avoir le genou qui saigne. Je peux, eh oui, faut pas dire... Je peux être fatigué, je peux pleurer, faut vraiment toujours être... positif. Faire comme si j'étais parfait, quoi. Ah. Tu vois, si t'es ouvert, il y a une équipe de secouristes. Ouais, il y aura des gens qui feront. Mais il faut toujours être super, super positif parce que ça va durer 2-3 minutes, peut-être un peu plus à la fin. Là. Il se peut que si vraiment j'en peux plus, je fasse une petite 16-10 minutes. Mais il faut que je reparte de là, je me re-remplis d'une bonne énergie. Quoi. Let's go. Et puis là, ce que je vais penser encore en plus, c'est que tu vas m'attendre à l'arrivée. Faut que j'aille à l'arrivée. Tu sais. Au début, mon arrivée, c'était l'arche. Wow, ça va être beau, ça va être le show et tout. Mais là, j'ai en plus Lucas qui m'attend, qui attend ça de courir avec moi. Et bien, dans mon aventure, dans mon mental, tu vas jouer un impact énorme. Tu vois, déjà, t'as inspiré une personne, moi. Voilà, l'aventure commence.
est vendredi, à quelques heures de ce grand UTMB qui sera lancé à 18h si tout est bon. Courir une distance que je n'ai jamais encore faite, un dénivelé que je n'ai jamais encore fait, dans un terrain que je ne connais pas beaucoup. Et puis c'est ça que ça représente aussi aujourd'hui pour moi, cette course-là. Je suis quand même plus un poisson des océans qu'une chef de montagne parce que j'ai grandi, j'ai fait les premières années de ma vie dans une des îles des Caraïbes, en Guadeloupe, où mes parents avaient un club de plongée. Donc c'est sûr que j'ai commencé à nager avant de vraiment crapahuter dans les montagnes. C'est vraiment un bon équilibre les deux entre la course en montagne et l'océan. Et je pense que c'est une force qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai réussi à bien évoluer et à réussir de grandes courses dans ce monde-là par le fait que j'ai une connexion forte avec l'océan. Per l'Italia c'è Paolo Piano, Caglielito, il proprio gruppo italiano. Oui, Lucas. Ça y est, il est à Saint-Gervais et là, nous, on est déjà là-haut, on attend qu'il arrive. Nous, on est en haut, ça y est, ouais. Et il est arrivé à Saint-Gervais, il est 27e. Et voilà, c'est son petit frère qui lui prend des nouvelles. Nous les humains, nous sommes très forts pour défricher, détruire, construire finalement un monde urbain fait de béton, d'asphalte, de murs et de plafonds qui nous détache complètement du monde naturel finalement. Peut-être que on a peur de la nature avec toutes ces mythes, ces histoires de monstres et de tempêtes qui existent dans le monde naturel. Peut-être qu'on aime tout simplement notre confort. Pourquoi en ayant tout ce confort, on est tout de même parfois un peu malheureux dans ce monde-là? Nous les humains, on aime se placer comme maître un petit peu au-dessus de la nature, mais on est surtout des êtres de rêve, des êtres d'imagination. Et je pense que seul le territoire sauvage est à la dimension de répondre à ce rêve, à alimenter notre âme finalement. On va au prochain ravitaillement de Mathieu. Et à quel endroit on va maintenant ? En Italie. Italie. On va prendre le tunnel du Mont Blanc.
Allez, Benoît. Bravo. Il était fatigué, c'est le dénivelé en fait, il a mal aux jambes parce que le dénivelé il est trop, il n'est pas habitué au Canada, c'est plat, il court sur le plat et là il y a trop de dénivelé, il n'arrive plus à monter. Il est presque à la moitié donc on n'a pas de souci à se faire, ça va se faire. Il est en avance aussi donc il y a pas... on y croit. C'est vrai, je l'avoue, c'est très douloureux, c'est pas toujours facile. Un ultra c'est une vie en condensé. Un ultra, c'est des hauts, c'est des bas, c'est du froid, il fait chaud. Et finalement, dans un ultra, tout le temps et l'espace est complètement déformé. On peut avoir l'impression que 20 heures passent en 2 minutes, comme 2 minutes durent 20 heures dans la souffrance. Et il a une joie qu'il a envie de partager avec tout le monde et il apporte vraiment une belle fraîcheur. Et c'est marrant parce qu'il vient justement de la plongée sous-marine. C'est un parcours un peu atypique. Et finalement, ça lui apporte certainement un souffle différent et une approche différente. Mais voilà, je trouve qu'il apporte vraiment une très très belle image au sport. Alors j'ai vécu des moments très difficiles, j'ai beaucoup souffert pendant la course. Cet ultra, c'est condensé de beaucoup de sensations et j'ai souvent pensé à Lucas qui allait m'attendre à l'arrivée. Ryan, everyone has dropped. Kylian, I know, and Ryan. Everyone has dropped. Mimi, Caro, everyone has dropped. You, Mimi dropped at 30k. Et Caro? At Col du Ferret. You are the only one. Last ride. 20 fois 6000 mètres, ça fait 25 fois la Tour Eiffel déjà. Courageux. Alors on est à Valocine, dernier ravitaillement de Mathieu. Et après ce ravitaillement, il reste 18,5 km avant l'arrivée à Chamonix. Allez, allez, allez. Il va arriver dans le top 15, j'en suis sûr. Sans guide tous, son temps, le 15e, sans guide tous. Ça a été une énorme inspiration pour moi, Lucas, mon petit frère, par son handicap et par sa persévérance et son courage d'aller aussi vite et d'être prêt pour cet événement-là. Ça m'a donné un rendez-vous avec lui aussi. Je fais confiance à la vie, je fais confiance en ce sport et puis en ce que m'apporte la course en montagne. Et puis je vais continuer à montrer que finalement, c'est à la portée de tout le monde. Chacun son degré d'intensité, son degré d'ambition, mais
on est capable de se fixer des objectifs dans la vie, d'aller les atteindre. Il faut simplement faire confiance à la vie, à la nature, puis avancer et sans trop se poser de questions et tout va bien se passer. Allez, on y va. Vamos a la playa. Chassé par un animal.